Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 2 mars 2020. Réumi Quotidien rapporte les grandes annonces du ministre Damdiop relativement à l'emploi des jeunes et aussi à 2020. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat était l'invité du grand oral de Réumi FM à samedi dernier. Notre Réumi Quotidien où Damdiop revient précisément sur sa mission en termes d'emploi et de formation professionnelle. Concernant l'artisanat, il s'est penché sur la deuxième édition. Du salon international de l'artisanat de Dakar, prévu du 5 au 10 mars prochain, Dame Diop informe qu'au moins 18 pays de la sous-région sont attendus et que la Turquie est le pays invité d'honneur cette année. Restons avec Dame Diop, qui était aussi présent à la 17e édition de la conférence religieuse annuelle des femmes chefs d'entreprise du mouvement des entreprises du Sénégal, tenue ce samedi au Radisson Blu. Outre le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire et sociale était aussi présente. La rencontre orientée sur le thème, l'éducation dans l'islam, était animée par Oustaz Tafsir Abdulrahman Gay, informe Réomi, qui note que les femmes entrepreneurs du MEDES ont profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à leur président Banik Diop. Par la voix de leur présidente, Madame Day Aoumbaye. l'œuvre du président Banik Diop a été magnifiée. Et selon la présidente du CFD, le président du MEDES ne cesse d'œuvrer pour le développement de la femme entrepreneur. Devant ce rappel, toute l'assistance s'est levée en standing ovation pour pour certifier cette reconnaissance de Madame Baez, s'exprimant par la même occasion, le président du MEDES, Manique Diop, s'est dit honoré d'être l'initiateur de cette rencontre annuelle qui dure depuis près de deux décennies et qui est dédiée aux femmes entrepreneurs, aux femmes d'une manière générale. Il renseigne que la conférence a permis d'aider, d'accompagner et de permettre à plus d'une centaine de femmes du MEDES d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. À la une du quotidien, la tribune Mambeignon Nyon fusille. Il se prononce sur les cas Bounjian, Baindjaye, Amadouba et Mimi Touré, le chef de cabinet du le président de la République revient dans ce journal sur la question du troisième mandat qui fait polémique déjà. Et selon lui, Mbaïn Djaï, Boun Abdeladjoun et tous les autres qui parlent d'une troisième candidature de Macky Sall doivent être destitués du parti. La destitution de Hamoudouba de la section Parcelles Asseni de l'APR est à la une du quotidien Les Échos, journal où Alun Badaradjouf, député et initiateur de l'AG des Apérisses des Parcelles Asseni, dément cette destitution. C'est faux, nous n'avons pas destitué Hamoudouba, déclare-t-il à la une de ce journal soutenant que ceux qui ont sorti cette fausse résolution mènent leur propre combat. Une ag de résolution en déduit et titre Sud quotidien qui livre le communiqué qui récuse Amadouba et l'autre qui demande l'installation d'un collège de sages. Et les deux scandales du second mandat de Macky Sall, c'est l'affaire Bougazeli et l'injustice qui prévaut à la Sahara, Si on en croit le quotidien L'Évidence qui barre ce titre à sa une. L'Observateur aussi regarde du côté de la SAR et nous parle de la crise au sein du conseil d'administration. Et c'est un gap de. 40 milliards de francs CFA qui met le feu à la société africaine de raffinage si on en un l'observateur qui annonce une réunion de crise convoquée au ministère des énergies. Pendant ce temps, Suleiman Teliko affiche sa détresse à la une de l'as relativement au rapport des corps de contrôle à la loi sur le viol, la précarité des magistrats, entre autres. Enquête s'intéresse aussi à la magistrature, notamment à la bataille autour des postes. Et c'est le gros malaise, selon la une de ce quotidien, qui soutient que la longévité au poste est un mal qui rend la magistrature. Parquet de Dakar et douane des juges sont les postes stratégiques et convoités qui font débat, fait savoir ce journal, où Maître Hassan et déclare, je cite, Le pouvoir politique a besoin de quelqu'un sur qui il peut compter pour mettre en œuvre ses ambitions. Pendant ce temps, Guillaume Sanya lui crache sur un protocole de camp pénal, nous apprend à Grand Place, qui informe que l'activiste est contre toute liberté négociée. Le gouvernement, face à la loi de l'amerdement, titre pour sa part 24 heures et l'exclusif sur le protocole du camp pénal, la protection des détourneurs du de régime, la liberté négociée, la double procédure judiciaire prison sinistre, barre à une, les salles guillotinées. Parlant du cas Gu Marius Sanya, l'analyste de Réumi Quotidien estime que Maki a eu l'effet escompté. En effet, selon Hassan Sombo, au regard de l'évolution des choses, la libération de Gu Sanya ne devrait pas tarder, non pas parce qu'il y a les manifestations et les prestations, même si celles-ci pèsent aussi dans la balance, mais parce que Maki Sall a eu les effets escomptés. Dans la stratégie du président Sale, il fallait répondre à la même hauteur que la témérité dont Gumarius a fait preuve en s'agrippant au gris du palais. Il fallait lui donner une leçon telle que ses proches seront ébranlés au point de ne plus lui permettre d'agir comme avant, lit dans les colonnes de Réumi Quotidien. Dans les colonnes de critique, l'on informe que le coronavirus a fermé le stands du Salon international de l'agriculture de Paris 2020. À Paris aussi s'est déroulé l'end-up de l'agriculture sénégalaise, informe ce journal. Le journal Libération. Revient sur l'affaire d'abus sexuels présumés sur des joueurs mineurs à l'est Dakar Sacré-Cœur et c'est pour nous apprendre que trois nouvelles victimes accablent Olivier Sylvain. Dakar Times, concernant l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Dakar, signale Richard Atias sur la piste. En effet, informe ce journal le Comité Olympique International contribuera à hauteur de 90 millions de dollars contre 30 millions de dollars pour l'État du Sénégal. Et déjà, le nom de Richard Atias est annoncé pour l'organisation de ce grand événement sportif. Le sportif mondial Dakar Times rappelle qu'il avait également organisé le dernier sommet de la francophonie dans la capitale sénégalaise. Et le quotidien du sport stade présente à sa une un Ismail Sarr qui a créé le tsunami en Angleterre avec son doublé et sa passe décisive contre Liverpool. Sous nos l'ombre, le quotidien des arènes sénégalaises donne la parole à Balagaido qui raconte ses 15 ans dans l'arène fait de bonheur, de déception et de trahison. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.